Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va faire le fraisier. On a fait la génoise auparavant, donc là, on va faire le fraisier. Je vais commencer d'abord par la crème fouettée, comme ça, parce que j'ai tout mis dans le congélateur pour que ça, pour avoir plus de chances que ça prenne. Un litre, je vais dire, pardon, de trucs. Crème liquide, de toute façon j'ai besoin de la crème de la crème fouettée, donc voilà, si je peux en faire deux ça va bien. Je vais commencer par battre tout doucement comme ça. Je prépare le sucre. J'ai fait pour 1 litre de crème pâtissière. J'aime bien avoir l'embarras du choix. Donc voilà, parce que la dernière fois j'avais fait 500 grammes et ça m'a pas suffi. Enfin pour 500 millilitres. Donc pas le genre le beurre à 82% parce que c'est ce que j'ai fait dans le premier fraisier et on sent le beurre. Enfin, pour moi, hein, on sent le beurre. Après, chacun est aussi. Celui-là, c'est 60%, je crois. Bon, 60% de matière grasse. Il est allégé. Après, le beurre, c'est le beurre. Hein, allégé, pour vite le dire. Hein. Ça fait quand même plus de 5 minutes là que je la laisse travailler. Oh, elle m'a l'air super bien là. Ouais. Elle m'a l'air super bien. Lisse. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. Voilà, c'est bon. Le soi-disant, hein, mon petit truc, ouais, ça va. Hein. Moitié pour. Après, si vous n'avez pas besoin. D'autant, vous faites que la moitié, hein.
sont tous pris. Tiens, je vais garder celle-là en dessous, comme ça. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Que quand je vais démouler mon fraisier, il ne va pas partir en sucette. Voilà. Alors, ensuite, mes fraises que j'ai pris de presque de la même hauteur que j'ai coupé. Alors, on va faire comme ça. Faut d'abord les mettre et après on va serrer. Est-ce que j'en ai une qui est de la même taille? Voilà. Voilà. On va la mettre bien comme il faut. Alors, ensuite on va faire comme ça. Ça demande quand même beaucoup de temps, hein, la pâtisserie. Faut que ça soit pour ceux que... Là, je vais rajouter un petit peu au milieu parce que j'ai la... J'ai cette douille là qui est en silicone, ça glisse. Et du coup, laisse tomber. Alors, là, j'ai mélangé le reste de la crème mousseline et la crème chantilly. Ça va me suffire le coulis que j'ai fait, donc je vais verser. Alors j'ai avancé là. J'enlève juste les. C'est un petit peu délicat hein, parce que...